Donc ici, c'est une action de blocage principalement dirigée contre les installations de transport pétrolier, de produits pétroliers qu'il y a sur le port Édouard Herriot. C'est une action qui vient, l'idée en tout cas, vient des camarades de la raffinerie qui sont en grève. Et l'idée de blocage, c'est une idée qu'on essaie de faire progresser, quoi, blocage des dépôts pétroliers et blocage de tous les secteurs stratégiques avec les grévistes et tous ceux qui veulent soutenir. Voilà en gros la démarche. Donc une zone effectivement un peu stratégique au niveau de Lyon avec notamment le dépôt pétrolier et puis une série d'entreprises. Et, l'objectif étant de continuer une série d'initiatives contre la loi, le travail et son monde. On va faire une action. Attention, il y a un camion qui va passer. Moi je suis de la CGT de Solvay, de la chimie, et ensemble avec les camarades de la raffinerie, nous avons contacté une série d'organisations, on a créé un cadre unitaire qui regroupe en gros ceux qui sont dans les manifs, c'est-à-dire associations, syndicats évidemment, et partis politiques. Et dans ce cadre-là, on essaie de construire des actions. Essentiellement, les participants ce matin, c'est des grévistes de la raffinerie de Fézin. On nous dit qu'ils ont pris le travail, et ben, la preuve, c'est absolument faux. Des camarades du rail et puis tout un tas d'autres personnes qui soutiennent ce mouvement. Alors, on est déjà plus nombreux que ceux qui ont le pouvoir, ici, dans les actions, dans les piquets de grève et dans les grèves. Mais on a un peu le sentiment que ces grèves, bien qu'elles n'arrivent pas à être majoritaires dans le pays, sont le fait de gens qui se sentent soutenus. Et on n'est jamais minoritaire, on fait des grèves quand on a la possibilité de les faire, quand on est soutenu. Et même si on n'est pas tous en grève, c'est le soutien qui nous donne du courage. La plupart sont pas syndiqués, enfin une partie en tout cas ne sont pas syndiqués parce que dans ces entreprises-là, il y a une répression qui est féroce et souvent c'est des petites entreprises. Mais pour le moment, il n'y a qu'à voir les personnes qui passent devant nous, le nombre de personnes qui klaxonnent, qui font des signes de solidarité, qui lèvent le poing, est beaucoup plus important que les quelques connards qui ne sont pas d'accord avec ce mouvement. Non, non, le mouvement il reste très très majoritaire. Au stade où on en est, il y a des grèves importantes qui démarrent dans les transports, au niveau des éboueurs, il y avait les raffineries, il y a le secteur de l'énergie, c'est-à-dire les gens qui sont en capacité de bloquer, ils se mettent en grève. C'est un sentiment de force que les gens ont quand ils se mettent en grève aujourd'hui. Et il faut qu'on généralise cette démarche en faisant des blocages avec les grévistes et avec l'ensemble de la population pour combiner des blocages avec des grèves. Ma longue expérience du syndicalisme et des luttes fait qu'on a la météo syndicale est tout sauf fiable. Mais on fera tout pour que, de toute façon, on continue à obtenir un certain nombre de choses. Il y a eu des atténuations déjà, ça prouve bien que la lutte paye et on va continuer à développer ces luttes.